vue blonde, tu es bien blonde ou tu veux que je mette du châtain un peu? Je suis brune avec des mèches blondes. Ah, est-ce que tu veux que je remette un peu de châtain sur les cheveux? Ah bah si c'est possible. Y a pas de soucis. Ça me dérange pas. De toute façon, j'arrête pas de me dire que je suis blonde, donc ça me choquera pas. Tu peux présenter ton stand, s'il te plaît? Mon stand, oui, alors bonjour. Mon stand, donc, c'est moi et mon pote Kevin. Donc lui, il fait des putains de dessins trop badass, genre des portraits et tout. Et moi, je suis plus genre le kawaii, les looks. Donc les choses un petit peu mignonnes, un petit peu érotiques, mais toujours dans le mignon. J'adore les mangas depuis très longtemps. Et j'en profite de cette année de faire de la pub pour mon site, ma chaîne YouTube, pour donner des cours de japonais. J'ai fait des flyers, des petits papiers avec les hiragana et les katakana. Oui. Donc ça c'est pour les gens qui veulent apprendre, comme ça ils ont déjà un petit, des petits tableaux pour s'entraîner à écrire. Et là c'est mon petit flyer justement donc pour apprendre le japonais sur la chaîne de Reimiko. C'est une toute nouvelle chaîne. Oui. Et donc avec une amie on a eu cette idée car on voulait ouvrir une boutique d'événementiel vraiment sur le partage, justement faire des mini exposés et surtout promouvoir le manga français parce qu'il y a plein de jeunes auteurs brillants qui n'arrivent pas à aller de l'avant malheureusement parce que tout ce qui est éditorial c'est très compliqué, c'est très dur en France. Et voilà, du coup on essaie de faire ça pour pouvoir avoir des fonds pour lancer notre maison d'édition, notre lieu de partage, d'exposition. Donc voilà, et en même temps si ça peut permettre à des gens d'apprendre le japonais, parce que moi j'ai appris en autodidacte à l'âge de 10 ans, donc si je peux donner la chance à d'autres d'arriver comme moi aujourd'hui à pouvoir parler en bilingue quand je suis à Tokyo, ben voilà, j'aimerais pouvoir partager ça. Et ça fait combien de temps que tu dessines? Je dessine depuis l'âge de 10 ans. Ok, tu as 10 ans. Yamenaseyo! Atashi wa 30 sai desu. J'ai 30 ans. Je viens de les faire, c'est pour ça. Puis nous, on a la chance, c'est le collagène naturel. Donc là, quelle est la technique pour remettre en châtain? Là, en fait, comme c'est du blond, c'est une couleur claire. J'aurais fait le châtain et le blond par-dessus, c'est un peu plus compliqué. Mais ça reste de la pastel, donc ça peut se gommer. Comme elle a les cheveux quand même clairs, je vais juste rajouter un petit peu de brun. Et comme elle a des mèches, je vais le faire au crayon pastel. Ça va faire un effet de mèche. Ouais. Je vais venir le poncer un petit peu après. Hop, un petit chute. Ouais, pour compliquer les choses, j'ai attaché les cheveux. C'est pour ça. Ah, toute. C'est la femme de monsieur. Tu fais un joli tour là-bas. Vous voulez regarder des petites choses traditionnelles, trop mignonnes. Hop. Donc là, c'est un aplat de couleurs. Donc j'en profite pour faire en même temps des effets de cheveux. Là, le support des BZ, ça aide bien quoi. C'est un shitajiki, c'est un peu comme notre buvard en fait. Donc autant qu'il serve à ce qu'il est censé servir. Parce que sinon, si je fais ça, je vais étaler toute la peinture en dessous de moi. Je vais faire des taches sur les couleurs en dessous qui sont plus claires, ça va être un vrai caca boudin. Les traits en dessous sont moins grotesques. On garde l'effet un petit peu cheveux.